Good afternoon, 47. Your target is Vito Durich, arms dealer and sanctions buster. Although the subject of a global manhunt, the target has successfully evaded capture and prosecution for more than a decade. Tired of waiting for the slow wheels of international justice, the client has turned to the ICA. Intelligence places the target inside the Swedish consulate, most likely involved in the operation to extract Strandberg. The situation is fluid, but this is our best opportunity to eliminate him before he vanishes again. The clock is ticking, 47. Good luck. Hey, salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille et bienvenue sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. Bienvenue sur Hitman 2 pour la cible fugitive The Gun Runner, le trafiquant d'armes. Voilà, Vito Durich est donc notre cible et ce petit monsieur va bientôt mourir. Alors donc, voilà, je compte vous proposer en fait deux méthodes qui vont être un petit peu longues, mais deux méthodes plutôt faciles, simples. Du coup, des méthodes que ben, n'importe qui pourra réaliser. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va éliminer donc notre cible. Cette première méthode, va consister à éliminer notre cible avec le téléphone électrifiant de l'ICA. Voilà. Et pour la deuxième méthode, on va l'éliminer donc au corps à corps par étranglement. Voilà, on voit ça juste après. Good afternoon, 47. The Swedish consulate is besieged by protesters linked to the imminent coup. Our intelligence indicates the target entered the consulate with a transport vehicle, most likely carrying weapons. He has not been spotted since. Good hunting, 47. I have an update, 47. Interpol has an ongoing operation to apprehend the target, and at least one undercover agent is amongst the target's guards. This does not invalidate the contract, so proceed at your discretion. Donc voilà, donc nous sommes en plein jeu, et vous constatez que je commence déjà à neutraliser un premier PNJ, donc un militaire donc de Marrakech, et donc forcément toute la troupe de militaires et de gardes du corps qui entourent notre cible, Vito Durich. Donc voilà, cette première méthode est un peu complexe, parce qu'en fait tout va se passer dans le souterrain, donc le parking souterrain du consulat de Suède donc de Marrakech. Donc en fait, moi, mon but, si vous voulez, était de nettoyer un petit peu la zone. Donc j'avais plusieurs méthodes, j'ai changé de stratégie au fur et à mesure. Là, ce que je voulais, c'était lancer un explosif afin que le bruit attire le haut gradé, vous savez, le militaire qui a le béret rouge. Sauf que malheureusement, c'est pas lui qui va venir. Donc du coup, il va falloir que je change de stratégie. Lui, entre-temps, on va quand même le neutraliser afin d'être tranquille. Donc du coup, lui, c'est pas gênant. On va le laisser comme ça derrière le véhicule blindé. Personne ne le verra, il n'y a aucun problème. Voilà, donc ces deux versions sont réalisées en assassin silencieux. Cette première est donc sur Xbox One. Et vous aurez tout à l'heure la deuxième sur PlayStation 4. Voilà. Donc là, petit à petit, je vais attirer toute la troupe afin d'être tranquille. Attention, pas tout le monde, en fait. Je vais en laisser quelques-uns. Parce qu'en fait, on peut pas tous les faire venir avec des pièces. Hein. Il faut trouver d'autres stratégies à un moment donné. Donc, si vous voulez, à un moment donné, je vais changer de tactique qui va consister, en fait, tous s'est fait ramasser des armes et à partir avec, et ainsi je serai isolé avec Vito et je pourrai l'éliminer tranquillement. Parce que, en fait, voilà, le coup du téléphone, si vous le posez devant lui, il voudra pas le ramasser. Il va demander à l'un de ses gardes du corps ou un militaire à proximité de ramasser le téléphone pour lui. Voilà, du coup, n'importe quel objet, il va demander à quelqu'un de le ramasser à sa place. Donc du coup, il faut le plus possible, en
entre guillemets, l'écarter, l'isoler vraiment des autres. Il faut que, qu'en gros, que tous les autres soient occupés à faire quelque chose. Donc du coup, le coup d'emporter des armes pour les emmener dans le coin de l'armurerie, c'est une méthode finalement auquel j'ai pensé sur le moment et j'ai trouvé ça très efficace. Donc voilà, moi après je vous suggère de faire exactement la même chose. Donc là j'attire encore quelqu'un du coup par la radio militaire. Et pareil, on va l'attirer avec des pièces. Donc il y a des petits moments, il y a des petits passages que je coupe. Les mecs sont des fois un peu longs à venir, donc j'ai tendance à couper entre le fait de lancer une pièce et puis que... Voilà, les traînages de corps que je coupe aussi des fois, enfin... Voilà, j'essaie de pas tout montrer. Vous voyez, là par exemple, il est venu assez rapidement. Parce que j'ai coupé au montage son trajet. Voilà, donc du coup, on a l'impression que le militaire a réagi tout de suite. Non, c'est pas le cas. Entre le temps qu'il parle à Tokiwoki... Ah bah tiens, j'ai entendu quelque chose, bon, ça demande un certain temps, c'est chiant, c'est long, donc voilà. Donc je coupe pas mal de choses comme ça. Sur la version PS4, pareil, je vais directement enlever certaines neutralisations, mais en laisser d'autres. Raccourcir le temps entre chaque événement. Ce qui permettra du coup d'avoir finalement une vidéo de 20 minutes pour les deux. Voilà, pour les deux versions. Sachant que ça pourrait être beaucoup plus long. Voilà. Alors je dis que c'est un peu long, mais finalement la vidéo est pas longue du tout. Hein. Moi j'ai vu des mecs faire des vidéos d'une heure. Alors... Mais bon, j'aime pas trop que ce soit trop long. Donc du coup, j'essaye de couper quand même des passages un peu inutiles pour moi. Là, vous voyez, oh, bah. Je change d'endroit, j'ai coupé certains endroits. Ça vous permet de profiter un petit peu d'action tous les temps de seconde. Donc là, voilà. Là, du coup, il s'agit donc de notre supérieur militaire. On va donc piquer son déguisement. Voilà. Comme ça, on est sûr de plus nous faire repérer par qui que ce soit. Et là, maintenant, à partir de là, on va pouvoir tranquillement aller vers Vito. Et on va essayer d'aller... on va essayer de faire partir, du coup, tous les autres soldats. Donc là, on le voit, là, notre tête de cul là, qui est juste là. Ensuite, ce qu'on va faire tranquillement, on va prendre des armes. Alors attention, il me semble qu'il y a un fusil de précision. Je vous déconseille de le prendre et de le poser par terre. Vous allez vous faire repérer. Hein. Mais voilà, tout ce qui est fusil d'assaut, fusil à pompe, tous les pistolets, les explosifs. Voilà, mais pas le fusil, le fusil qui est dans le coin gauche de la table. Ne le prenez pas. Il a fallu que je recommence rien que pour ça. J'avais été trop vite. Donc voilà, on voit qu'ils sont tous attirés par les armes. Donc ça, c'est très très bien. Du coup, j'avais repris un fusil au cas où, mais lui, du coup, lui, c'est pas, il va être attiré par la dernière arme que j'ai posée. Et là, maintenant, tranquillement, on pose le téléphone. Et le tour est joué. Et voilà, bah, je préfère pas attendre jusqu'à la fin, vu que les mecs vont revenir. Voilà. Donc on se casse, on sort du consulat. Alors, on va passer sur le côté. Donc voilà, du coup, j'espère que cette première version vous a plu. On est déjà donc à la fin de la version Xbox One. Voilà, donc d'ici quelques instants, on va donc se retrouver sur PS4. Hein, et on va voir... Déjà, les tableaux des scores, des défis.
Donc voilà, sur PS4, du coup, moi, j'arrive plutôt par le tunnel et non par le parking. Donc j'arrive directement par... je commence directement dans le bar. Voilà. L'entrée du souk, hein, il me semble que c'est ça. Donc voilà, on se retrouve d'ici quelques instants pour le tableau des scores. Voilà, la cible assassin silencieux, c'est nickel. 11 minutes en assassin silencieux, voilà. Donc sachant que sur PS4, j'ai fait 14, il me semble. Hein. Non, 13 minutes. Voilà. Mais là c'est... Non, mais c'est des bons scores, c'est tranquille, c'est bien. On a pris un peu notre temps, c'est pas mal. Donc voilà, on se retrouve du coup... Sur PS4, voilà, donc préparation, je vais d'ailleurs prendre, tiens, le costume du nouveau DLC qu'on a, qui s'appelle, je ne sais plus, voilà, un DLC qu'on a du coup grâce au Season Pass, qui comprend en fait un espèce de, des vêtements, on va dire, décontractés, manteau, sweat, un pantalon, là je vais prendre du coup des écouteurs audio, qui vont me servir à étrangler notre cible. Voilà. Je vais également mettre un poison en seringue en plus. Pour ce qui est des pièces, on va en trouver sur place. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? N'hésitez pas à aller voir mon ancienne playlist des cibles fugitives de toute la saison 1, qui comprend bien entendu The Gunrunner, le trafiquant d'armes. Donc voilà, vous pourrez voir donc mes anciennes versions sur Vito Durich. Donc là, du coup, on va commencer. Ah oui, je me suis trompé tout à l'heure. Non, l'entrée du souk, c'est sur cette version-là. On a commencé dans le parking sur Xbox One. Excusez-moi pour cette confusion. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, tiens, on va prendre une petite brique là dans le coin, ça peut toujours servir éventuellement. On sort d'ici, on récupère, pourquoi pas, une autre brique ici. Voilà. Donc là, j'ai coupé au montage, je suis passé dans le local qui était en face pour prendre une bouteille de propane, mais finalement, là, j'en ai pas besoin tout de suite. Donc du coup, je vais finir par la poser. Donc, on s'infiltre ici. On passe aussi derrière le comptoir. On enclenche la discussion scriptée des deux soldats. Voilà, on récupère les pièces ensuite sur le comptoir. Donc il y en a quand même pas mal. Ce qui est plutôt bien, hein. 5 pièces qui vont pas, j'ai envie de dire, qui vont pas forcément nous servir énormément, mais un petit peu. Donc là, on attend que les deux mecs aient fini de parler. Moi, je m'équipe du marteau, on va en assommer un, et en fait, c'est pareil là. Du coup, je vais finalement nettoyer toute cette zone là à partir d'ici jusqu'au parking. Donc je vais pas non plus tout montrer à 100%, et je vais couper des passages. Allez, hop, et tac, voilà. Sinon, pour ce qui est de ce petit costume là, je sais pas ce que vous en pensez, qui n'est pas vraiment du coup un costume, quoi, mais il est pas mal. Ça manque de gants quand même. Donc là, pareil, je me suis dit, tiens, je vais neutraliser celui-là aussi, des fois que, on ne sait jamais, quoi. Des fois que l'évacuation, parce qu'on va justement réaliser une évacuation, du coup, de Vito, hein, ce qu'on n'a pas fait dans la première version. Donc on va faire en sorte qu'il se sauve avec ses gardes du corps, dans le souterrain. Ça va être notre petite stratégie. Donc là, voilà, du coup, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais reculer comme ça, avec tous les gardes du corps, pour les cacher
dans certaines armoiries, pas d'autres, pour avoir assez de place. La celle qu'on vient de passer, là, d'armoire, là, par exemple, on va pouvoir... Je vais cacher deux corps là et deux corps dans l'autre armoire après, ce qui me permettra plus tard d'avoir une place pour Vito. Histoire de, du coup, d'être sûr qu'ils soient cachés. Voilà. Donc vous voyez, par exemple, là, je traîne le corps, mais je vous fais l'impasse du coup d'escalier, tout ça. On est tout de suite devant l'armoire. On gagne du temps. C'est pour ça que soyez pas surpris, vous me voyez du coup redescendre l'escalier. Donc du coup, voilà, j'essaie de... En fait, si vous voulez, ces gardes-là peuvent éventuellement réagir par rapport du coup, à l'évacuation. Et donc, ça ferait beaucoup plus de monde à gérer. Donc c'est un petit peu délicat. On n'est pas forcément obligé de tous les neutraliser, c'est sûr. Mais moi, je préfère être tranquille, anticiper. Parce que cette cible est quand même assez compliquée avec tout ce petit monde. Donc lui c'est pareil, le mec qui était en face de nous, je l'ai neutralisé en fait. Voilà. Ils sont tous les deux cachés. Hein. Donc du coup c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Mais par contre vous me voyez récupérer des armes, des explosifs et tout. Tiens d'ailleurs il y a même un poison là, après que j'ai récupéré des munitions. Donc voilà, il y a des... Donc, il y a pas mal de trucs à récupérer qui vont me servir après, finalement, pour... Pareil, il y avait encore un garde, là, au bout du couloir, j'étais assommé. Donc, comme je vous ai dit, je ne montre pas tout, c'est pas nécessaire. Donc, du coup, les explosifs et les armes que j'ai ramassées vont... Du coup, je vais les poser par terre. Donc, en contrebas des escaliers. Histoire que, quand ils vont revenir de leur point, on va dire, d'évacuation... Tous les gardes vont être attirés par des armes et Vito va remonter tout seul. Voilà. Histoire que je puisse l'étrangler tranquillement, convenablement. Voilà. Donc là, au lieu de d'appuyer sur l'alarme comme j'avais fait dans la première version l'année dernière, on va plutôt tirer sur une bouteille de propane discretos. Vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, de tirer sur le réservoir, de faire couler le carburant, et... Enfin, voilà, il y a plusieurs méthodes, hein. On peut directement placer un explosif aussi, ça marche aussi. Donc voilà, du coup, pas mal de soldats de la zone sont alertés. Et pendant ce temps-là, Vito, regardez. Voilà. Vito est emmené par ses deux gardes du corps et des militaires. Donc il y en a un qui a un point blanc, c'est justement celui qui a le béret rouge. Donc on va les suivre, tout gentiment, tranquillement. Et pendant qu'ils vont être justement dans la pièce du fond, où il y avait les vestiaires et toutes les armes posées sur la table, voilà, à partir d'ici, je vais donc poser des armes, des explosifs, afin qu'ils soient tous attirés, petit à petit, et que Vito soit tout seul. Voilà. Donc sachez que vous n'aurez pas forcément beaucoup de temps. Donc il faut vraiment bien vous organiser. Donc là, ça y est, ils se sont tous calmés. Ils sont en train de revenir. Donc on va regarder. On va inspecter ça de plus près. Ok, donc ils commencent à être attirés par les armes au sol. Vous voyez, de plus en plus. Donc voilà. Par contre, je pense qu'il va falloir que je repose quand même encore quelque chose. Bon, je m'équipe des écouteurs en attendant, mais je vais peut-être reposer une arme au sol. Une dernière fois. Bonjour monsieur. Ouais, on va quand même relaisser tomber un explosif histoire d'avoir assez le temps. Voilà, on s'équipe des écouteurs. Surprise, motherfucker.
Et voilà les amis, le travail est joué. Hey, c'est génial ça. Donc voilà, c'est deux méthodes assez, j'ai envie de dire assez simples. Oui et non quoi. Organisé comme ça, franchement, vous êtes sûr d'y arriver. Hein. Il y a pas de pépins, pas de non, pas d'embrouille, non, tout devrait bien se passer. Organisez-vous comme moi, faites comme moi, il y a pas de souci. Bon, il y a des méthodes plus rapides. Mais bon, voilà, je préférais comme vous montrer des méthodes, on va dire, un petit peu plus longues, un petit peu plus safe, histoire que vous soyez tous tranquilles pour, on va dire, les plus débutants d'entre nous, histoire que vous soyez sûrs de bien réussir comme il faut la cible, surtout qu'on n'a qu'une seule tentative, hein, au final, donc voilà. J'espère en tout cas que les deux versions, comprenant celle-ci bien sûr, vous a plu. Et on se retrouve d'ici quelques instants du coup pour les tableaux des scores. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à commenter. Voilà, merci bien, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications des vidéos. Je vous remercie à tous. On se retrouve donc pour le score, voilà. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous dis donc à bientôt, les amis. Allez, ciao.